Ensuite, de notre exposé, tandis que nous sommes à l'heure du nouvel an et de l'indépendance d'Haïti, nous sommes en train de considérer les constitutions haïtiennes. Dans l'institution de l'Empire, le monarque se fit élaborer une constitution par son secrétariat privé, constitution qui comptait un juste chanlatte, un boiron tonnerre, et j'en passe. Et cette constitution-là portera les noms des principaux officiers supérieurs de l'armée. Elle n'a ni lieu, ni date de naissance. La sanction de l'empereur est datée de la ville de Dessalines, du 20 mai 1805. Et la publication au journal officiel eut lieu le 27 juin. Cet édifice du bonheur public renfermait 81 articles, alors que la constitution de 1801 n'en avait que 77. Le jeune État est libre, souverain et indépendant de toute puissance de l'univers, sous le nom d'Empire d'Haïti. L'esclavage est à jamais aboli. Les Haïtiens sont frères et égaux devant la loi. La loi qui est une pour tous et ne produit pas d'effet rétroactif. Nous voici, chers amis, chers téléspectateurs, en 1997, soit 193 ans depuis la naissance d'Haïti. Bon, du train, les choses en vont. Quand nous considérons l'état d'abaissement social, spirituel, moral, dans lequel nous sommes, nous autres Haïtiens aujourd'hui, ne serions-nous pas en droit de nous poser cette question de savoir jusqu'à quand Haïti continuera-t-elle de crier pour cette liberté et cette indépendance que nos pères nous ont laissées et au prix de tant de sacrifices. Indépendance, liberté, devant lesquelles bon nombre de nous autres Haïtiens se comportent comme, entre guillemets, à l'inférieur de la bête. Aujourd'hui est un grand jour pour tout le monde. C'est le jour des vieillards, c'est le jour des jeunes, c'est le jour des petits et c'est le jour des tout petits. Bonne année à tous. Since today is New Year's celebration and celebration of the independence of Haiti, I understand it's a good time to remind all kids about new decisions to take for their life. This is the time to tell everyone to be good towards God and their parents so they can get the blessings of God. And it's also the time to remind all kids not to do drugs, because drugs can make you homeless, mess up your brain, mess up your life, and not give you a good future for your benefit. Since this is the New Year time, I'm begging you, don't do drugs. Be a safe person and have a safe life. It's just a year today. One candle out.
Qui la vie est qui